shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS. Soyez bénis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la connexion passe? Est-ce que vous avez une bonne connexion? Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo, aimez la vidéo. Partagez sur Facebook, partagez sur tous les réseaux que vous avez. Invitez des amis à se connecter. Alléluia. Gloire à Dieu. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien encore ce soir. Que le Seigneur vous visite encore ce soir. Que le Seigneur se souvienne encore de vous ce soir. Que le Saint-Esprit puisse encore toucher vos vies ce soir, restaurer vos vies. Gloire à Dieu. Ok, d'accord. Voilà, d'accord. Est-ce qu'on peut dire bonsoir au Saint-Esprit? Quand nous disons bonsoir au Saint-Esprit, c'est tout simplement une manière de reconnaître sa présence. C'est une façon de dire... Je reconnais la présence du Saint-Esprit plus que la présence d'une personne qui est à côté de moi. Je reconnais que le Saint-Esprit est plus réel que la personne qui est à côté de moi. Je reconnais que le Saint-Esprit est plus réel que la personne que je vois. Donc le fait que je dise bonsoir au Saint-Esprit, c'est tout simplement une façon, c'est tout simplement une manière de croire, de nourrir ma foi. Que le Saint-Esprit est là à côté de moi. Alors nous disons bonsoir au Saint-Esprit parce qu'il est là en nous, il est à côté de nous, il est sur nous, il est avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Alors essayez d'aimer encore la vidéo, arrivons au moins à 100 j'aime. Essayez de monter jusqu'à 100 j'aime, ça sera déjà une bonne chose, ça va aider, ça va permettre à une personne de recevoir la notification, à une personne de découvrir aussi la tour de prière semaine. Gloire à Dieu. Alors, je vais prier ce soir. Je vais prier pour introduire ces moments. Alors, concentrons-nous déjà. Soyez concentrés. Soyez connectés au Saint-Esprit. Concentrez-vous. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Et le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je ne vois pas les acclamations. Acclamez le Seigneur parce qu'il est bon. Voilà. Acclamez, 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 acclamant. Gloire à Dieu. Alors je prie et nous commençons notre session de ce soir. Seigneur mon Dieu, je te bénis encore ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix, merci pour cette journée que tu nous as accordée, Père. Nous reconnaissons ce soir que tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à maintenant. C'est ta main qui nous a soutenus, Seigneur, depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. C'est pour cela que nous te bénissons ce soir. C'est pour cela que nous reconnaissons, Seigneur, ton amour, ta fidélité, ta miséricorde. Nous reconnaissons ta main, nous reconnaissons ton secours, nous reconnaissons ta protection. Seigneur, je te prie encore de prendre le contrôle de ce temps de prière. Par le Saint-Esprit, fortifie tes enfants, fortifie chacun de nous et que, Seigneur, nous puissions prier avec persévérance, avec foi, que nous puissions prier avec qualité, que nous puissions prier avec un cœur entier, que nous puissions prier, Seigneur, avec détermination, que nous puissions prier, Seigneur, ô Dieu, avec sérieux. Et nous te prions, Seigneur, de couvrir cette prière par le sang de Jésus. Par ton sang précieux, que tu couvres cette prière, afin que, Seigneur, l'ennemi ne puisse pas toucher une personne, ne puisse pas donner le sommeil, ne puisse pas alourdir, Seigneur, la vie d'une personne, le corps d'une personne, mais que nous puissions prier, Seigneur, du début jusqu'à la fin, avec foi et sérieux et détermination. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors bien aimé, encore une fois shalom à vous, vous qui venez de vous connecter maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous voulons tout simplement intercéder. Amen, il n'y a pas de sujet spécial, tout simplement une prière avant d'aller dormir,
tout simplement une prière d'intercession pour la nuit, tout simplement une prière pour que le ciel soit ouvert au-dessus de nous en cette nuit, tout simplement une prière pour que la nuit, cette nuit, puisse concevoir des bonnes choses dans nos vies, afin que cette nuit soit la nuit de transfert divin, la nuit de remise et reprise, la nuit de changement d'identité, que cette nuit puisse enfanter, bien-aimé, une victoire dans ta vie, que cette nuit puisse enfanter une nouvelle identité dans ta vie, que cette nuit puisse transformer ta vie, alléluia, qu'au travers de cette prière, que en cette nuit, que tu puisses recevoir la visitation du Seigneur, la visitation du Saint-Esprit, qu'en cette nuit, tu puisses être touché par le Seigneur. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Rapidement, nous allons lire le psaume 23. Je vais lire le psaume 23 au verset 1. Psaume 23 au verset 1, je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. David en train de dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce que tu peux écrire avec moi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Alors, quelqu'un écrit, « Peut-on évoquer les mauvaises odeurs ce soir ?» Ah, malheureusement, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible, mais la prochaine fois, on va évoquer cela. Si vous allez faire le jeûne de 70 jours, c'est sûr et certain qu'on va évoquer ça. Voilà. Donc, ce soir, ça ne sera pas possible parce que, voilà, pour des raisons X, je ne peux pas rentrer dans ce contexte-là. On va tout simplement faire la prière et puis nous reposer. Gloire à Dieu. Donc, le psaume 23 dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bien-aimé, vous savez, David est en train de reconnaître que l'Éternel est son berger. Lui-même étant le berger, il reconnaissait que malgré que je suis berger, mais c'est l'Éternel qui est mon berger. Alléluia. Malgré que je suis berger, mais j'ai moi-même un berger qui est au-dessus de moi. C'est comme si une personne était députée et la personne dit, l'Éternel est mon député. Alléluia. Un président va dire, l'Éternel est mon président. Un médecin va dire, l'Éternel est mon médecin. Un charpentier, un menuisier va dire, l'Éternel est mon menuisier. Alléluia. L'Éternel est celui qui confectionne les chaises pour moi, la chaise spirituelle, qui me donne la stabilité spirituelle. En fait, David reconnaissait Dieu comme son tout, tout simplement, comme le tout de sa vie, c'est-à-dire comme la vie de sa vie, comme la profondeur de sa vie, comme la grâce de sa vie, comme la faveur de sa vie, comme la santé de sa vie. Bien-aimé, nous devons considérer Dieu comme le tout de notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il était sûr que parce que l'Éternel est son berger, qu'il ne manquait de rien, qu'il ne manquerait de rien, et qu'il ne manquera de rien, et qu'il ne manquerait jamais de rien. Quelle foi ! Juste cette petite phrase. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, commence à voir Dieu comme ton berger. En cette nuit, commence à voir ton Seigneur comme ton protecteur. Alors tu pourrais dire, l'Éternel est mon protecteur, Dieu est mon protecteur, le Saint-Esprit est ma protection, le Seigneur Jésus-Christ est mon protecteur, alors je ne craindrai rien. Parce que le Seigneur est mon protecteur, je ne crains rien. Parce que le Seigneur est ma grâce, je ne crains rien. Parce que le Seigneur est celui qui me garde et ma protection, je ne crains rien. Écoutez, même si on vous dit qu'on vient vous attaquer ce soir, on vous donne rendez-vous ce soir, on viendra t'attaquer dans la nuit, c'est déjà prévu. Mais si tu connais l'identité de ton Père qui est dans les cieux, si tu connais l'identité de ton Dieu, le Seigneur est ma protection. Le Seigneur est ma paix, alors je ne manquerai de rien. Vous avez des difficultés de connexion? C'est pas possible. Essayez de rebooter votre téléphone ou votre ordinateur. De mon côté, tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème de connexion ici.
Voilà. Donc, nous devons croire que l'Éternel est notre berger et croire que nous ne manquerons de rien. Avant de prier, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, pourquoi le diable attrape beaucoup de personnes? Pourquoi le diable fait tomber beaucoup de personnes? Beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Pourquoi? Parce que le diable leur fait croire que Dieu ne les protège pas. Parce que le diable leur fait croire que Dieu n'écoute pas leurs prières. Quand le diable insiste, en fait, quand le diable pousse ta vie dans les difficultés, quand tu es souvent oppressé, quand tu es souvent malade, quand l'ennemi vient te bousculer, son but, c'est de te faire croire que Dieu n'écoute pas tes prières. Son but, c'est de te faire croire que Dieu n'exauce pas tes prières, que Dieu ne te connaît pas, que tu es en train de perdre ton temps. Mais imaginez quelqu'un qui est malade qui dit « L'Éternel est mon médecin, alors je suis guéri. » L'Éternel est mon médecin, alors je suis guéri. Écoutez, je vérifie juste la connexion ici. Moi, je n'ai pas de problème en tout cas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de problème. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Mettez le chiffre 1. Si tout va bien chez vous. Moi, je n'ai pas de problème. Ok. Je pense que c'est vraiment à votre niveau. Voilà. Tu dois croire, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, quelle que soit la douleur, quel que soit ce que tu vis, tu dois être comme David. Tu dois penser comme David. Tu dois dire comme David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, tu auras la victoire sur le diable si tu continues ou si tu es toujours en train de confesser la parole de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la connexion. Tu auras la victoire sur le diable si tu continues toujours à confesser la parole de Dieu. Si tu continues à confesser la parole de Dieu. Bien-aimé, j'ai passé des moments difficiles. Des moments très, très, quand je vous dis extrêmement difficiles, extrêmement difficiles. Mais je n'ai jamais, en fait, je n'ai jamais renié Dieu. Je n'ai jamais nié la force de Dieu. Je n'ai jamais, en aucun cas, ça ne va même pas traverser ma pensée. Je n'ai jamais remis en cause la force de Dieu. Alléluia. Jamais, jamais, jamais. Une chose que je sais, c'est que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel que soit ce que tu vis, même dans ton sommeil, et cette conviction, en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le vrai combat du chrétien, c'est le combat de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la foi. Le premier combat, c'est la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Des fois, on prie beaucoup, on a des paroles, on fait le combat spirituel, on prend autorité sur les démons, mais on n'a pas la foi. Le vrai combat du chrétien, c'est le manque de foi. Vous voyez? Le vrai problème, manque de foi. Deuxièmement, la conversion. Beaucoup ne sont pas convertis. Parce que si tu es converti et que tu crois vraiment que tu es une nouvelle créature, alors tu ne laisseras pas un carré à Satan. Tu ne laisseras pas une partie de ta pensée à l'ennemi. Tu ne laisseras pas une petite pensée. Tu ne vas jamais accepter ce que le diable est en train de t'imposer. Alléluia. C'est un problème de foi. Parce que celui qui a la foi, même s'il ne voit rien, il est sûr que Dieu va faire quelque chose. David est un homme de foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme cette nuit. Tu sais que bientôt, en tout cas pour nous qui sommes en Europe ou en Afrique, je pense, c'est déjà la nuit. Donc, tu sais que tu vas aller dormir, mais tu dois t'attendre à la visitation de Dieu. Tu dois t'attendre que cette nuit, Dieu va te faire du bien. Tu dois t'attendre que dans ton sommeil, Dieu va te visiter. Tu dois t'attendre que dans ton sommeil, Dieu va envoyer un ange pour t'imposer les mains. Il faut s'attendre à la visitation de Dieu. Il faut s'attendre à la main de Dieu. Il faut s'attendre à la guérison de Dieu. Est-ce que tu t'attends à la guérison de Dieu ou tu regardes toujours ta situation? Est-ce que tu t'attends à la main de Dieu ou tu regardes toujours ce qui ne va pas dans ta vie? Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas à ce qui ne va pas dans ta vie. Détourne tes regards de ce qui ne va pas dans ta vie. Tourne tes regards sur Jésus. Alléluia. Tourne tes regards sur Jésus. Tourne tes regards sur le Seigneur. Et le Seigneur ne va jamais te décevoir. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas par quel moyen, tu ne sais pas quel jour, tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais une seule chose que tu sais, c'est que Dieu finira par te visiter. Dans la nuit, il te fera du bien.
Dans ton sommeil, il te fera du bien. La nuit n'a pas été créée pour que le diable te visite. Alléluia. La nuit a été créée pour que Dieu te parle. Dans le calme, dans le sommeil. Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on y prend point garde. Quand on est dans un profond sommeil, quand les hommes sont pris dans un profond sommeil, Dieu te parle. Il faut t'attendre quand tu dors. Attends-toi à écouter la voix de Dieu. Attends-toi à recevoir de Dieu une bénédiction. Attends-toi. Il faut dormir avec une attitude d'attente. Seigneur, je suis malade, mais en dormant, je sais que je vais avoir ma portion de guérison divine. En dormant, je sais que je vais avoir mon miracle. Bien-aimé, c'est dans la nuit que le nom de Jacob a été changé. Pendant la nuit, alors qu'il luttait avec l'ange, c'est là où son identité a été changée. C'est pendant la nuit aussi que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Pendant la nuit, ils ont été préservés de la mort. Quand l'ange de la mort passait, eux, parce qu'ils avaient mis le sang sur le linteau, alors la mort n'était pas rentrée dans leur maison. C'est pendant la nuit. Pendant la nuit, Dieu visite son peuple. Pendant la nuit, c'est pour cela que tu dois toujours dire que ta nuit n'appartient pas au diable. Ta nuit n'est pas pour la visitation des maris de nuit. Ta nuit n'est pas pour la visitation des femmes de nuit. Ta nuit n'est pas pour la visitation des sorciers. Mais ta nuit est pour la visitation du Saint-Esprit. Ta nuit est pour la visitation de l'Éternel. Ta nuit est pour la visitation des anges. Toi, ta nuit, c'est pour la bénédiction. Parce que les enfants d'Israël ont été sauvés pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit, il faut t'attendre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En cette nuit, je sais que je ne manquerai de rien. Il peut venir, même si l'ennemi vient m'attaquer comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel qui est dans ma maison, l'Esprit de l'Éternel qui est en moi, le mettra en fuite. Le plus grand problème du chrétien aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas que Dieu n'exauce pas la prière, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Problème de conversion. Beaucoup de personnes prient, mais ils ne sont pas convertis. Vous voyez ça? Beaucoup de personnes. C'est pour cela que quand ils prient une année, deux ans, après, quand ils prient, ils sont fatigués. Dès qu'ils ne voient, quand ils ne voient rien, leur foi aussi s'affaisse. Plus ils dépriment, plus leur foi aussi s'affaisse. Or, bien-aimé, même quand tu te sens déprimé, ta foi doit rester costaud. C'est ta foi qui doit te soutenir. Alléluia. Ta foi doit te soutenir. Même quand tu perds tout, ta foi doit te soutenir. Même quand tu vois des choses, des combats bizarres, ta foi, tu dois avoir une foi ferme que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, je ne manquerai de rien. Vous savez, un jour j'ai vu un esprit qui était venu m'attaquer. C'était un esprit qui ne voulait pas que je fasse les prières de minuit. Un esprit de religion, c'était ça le nom, un esprit de religion, c'est-à-dire un esprit qui ne voulait pas que je puisse faire les prières de minuit parce que ça délivre beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est venu m'attaquer directement. Mais est-ce que j'ai arrêté les prières de minuit? Non. Dès que cet esprit était venu m'attaquer, quelques temps après, il y avait des gens qui étaient autour de moi qui m'ont quitté. Est-ce que vous voyez ça? Donc le diable va chercher des moyens, il va chercher des moyens pour te faire abandonner, pour que tu arrêtes. Il va tout faire, il va toucher les gens autour de toi, il peut toucher ta famille, il peut toucher dans ton travail, partout. Mais toi, tu dois être inébranlable dans la foi parce que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Alléluia, tu ne manqueras de rien. Bien aimé, Dieu est fidèle. Il n'oublie aucune de tes prières, il n'oublie aucune de tes dîmes. Il n'oublie aucune de tes offrandes. Alléluia. Il n'oublie pas, je vous assure. Il n'oublie pas. Mais garde la foi et sois un véritable enfant de Dieu. Sois un véritable converti. Garde la foi, sois un véritable converti. Quand, en fait, si je suis réellement converti, alors ma vie chrétienne ne dépend pas de l'exaucement de la prière ou pas. Ça ne dépend pas du matériel. Ça ne dépend pas de ce que je peux avoir ou de ce que je n'ai pas. Ça ne dépend pas de ces choses. Ça dépend tout simplement du Seigneur. Je crois tout simplement au Seigneur Jésus. Je crois, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il est éternel. Je sais qu'il est là, il vit en moi. Alors assurément, je ne manquerai de rien. Ça, c'est sûr et certain. Parce que la Bible dit, il n'est débiteur de personne. Dieu ne doit rien à personne. Il est débiteur de personne. Si tu as donné ton offrande quelque part, sache que tu vas le retrouver autre part.
parce qu'il est débiteur de personnes. Si tu as planté la graine de la prière avec la foi, sache que cette graine va pousser tôt ou tard. Parce qu'il n'est débiteur de personnes. Si tu as fait du bien quelque part, pour le Seigneur, pour la cause du Seigneur, sache que tu vas retrouver ça aussi quelque part. Tu vas retrouver ça à un moment donné. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Écris avec moi. Il est le Dieu fidèle. 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 Reconnais ce soir qu'il est le Dieu fidèle. Oh, que le ciel puisse entendre ta confession. Il est le Dieu fidèle. Que la terre entende ta confession. Il est le Dieu fidèle. Il n'oublie pas, bien-aimé. Les sorciers ne sont pas plus forts que notre Dieu. Non. Alléluia. Ils ne sont pas plus forts. Toi, tu as reçu le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur la puissance des sorciers. Tu as reçu ce pouvoir. Est-ce que tu es conscient de ce pouvoir qui est en toi? Est-ce que tu es conscient que tu as reçu ce pouvoir? Est-ce que quand tu marches, tu as la pleine conscience que tu as été doté de pouvoir? Tu as été doté de puissance? Tu as été doté d'autorité? Tu as été doté de la puissance du nom de Jésus? Et que tu prends autorité sur les esprits méchants? Oh, tu dois avoir cette conscience. Dors avec cette conscience. Marche avec cette conscience. Tourne tes regards vers Jésus. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de la honte. Même si on se moque de toi aujourd'hui, sache que demain, les mêmes vont acclamer le Seigneur pour toi. Même si on est en train de te lapider aujourd'hui, sache que demain, les mêmes viendront se mettre à genoux pour te demander pardon. Sache que même si on t'a tout pris aujourd'hui, mais demain, l'Éternel va te rendre au double parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Allons, Nous allons prier le Seigneur ce soir. Oh, nous allons prier le Dieu fidèle, notre berger. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie encore. Merci parce que tu es fidèle. Et ta fidélité m'a gardé depuis le matin jusqu'à maintenant. Ta fidélité a parlé pour ma maison. Ta fidélité a parlé pour mes enfants. Ta fidélité m'a protégé. Ta fidélité m'a gardé. C'est pour cela que je viens te célébrer encore ce soir. C'est pour cela que je viens te magnifier. Parce que tu es le Dieu fidèle. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste mendier son pain. Ni je n'ai point vu le juste abandonné, ni son fils mendier son pain. Bien-aimé, commence à prier et dis merci à ce Dieu. Dis merci au Seigneur qui a été fidèle. Bien-aimé, tu peux même remonter au début. Le Dieu qui t'a gardé depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu qui t'a protégé. Il y a eu des accidents, il y a eu des rejets, il y a eu des tristesses, il y a eu des moments où tu es tombé, il t'a relevé. Il y a eu, bien-aimé, des blessures. Il y a eu beaucoup de choses, mais il t'a toujours soutenu. Il t'a toujours gardé. Il t'a toujours préservé. Commence à lui dire merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père de gloire, Seigneur, je viens encore devant ton trône ce soir. Je viens te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, je reconnais que tu es le Dieu fidèle. Et ta fidélité me garde, Seigneur. Ta fidélité m'a protégé. Ta fidélité a gardé ma maison. En ce jour, Seigneur, alors que nous sommes la nuit, c'est ta fidélité qui nous a gardés comme un parapluie depuis le matin jusqu'à maintenant. Tu nous as préservés, Seigneur, de toute attaque, oh Dieu. Tu nous as protégés, Seigneur, sous tes plumes. Tu n'as pas permis, Seigneur, oh Dieu, que la flèche qui vole en plein midi ne puisse nous atteindre. Tu n'as pas permis, Seigneur, oh Dieu de gloire, que les pièges de l'ennemi contre nous en ce jour ne puissent nous engloutir. Alors nous te bénissons ce soir. Nous te magnifions. Seigneur, en ce soir, nous venons reconnaître ta fidélité. En ce soir, nous venons reconnaître ton amour. En ce soir, nous venons reconnaître, Seigneur, oh Dieu, que tu es bon. Oh, car David a dit, il est bon d'annoncer dès le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Seigneur, je viens annoncer ta fidélité. Oui, je me lève pour dire que tu es le Dieu fidèle. Je me lève pour dire que tu es le Dieu fidèle. Et par ta fidélité, Seigneur, tu préserves ma vie. Et par ta fidélité, Seigneur, tu préserves ma maison. Et par ta fidélité, Seigneur, tu préserves mes enfants. Et par ta fidélité, Seigneur, tu préserves ma destinée. C'est pour cela que je viens te célébrer. Le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Oh, reçois la gloire ce soir. Reçois la majesté.
magnifiant ce soir. Seigneur, je lève ton nom en cette nuit. Seigneur, je lève ton nom en cette nuit. Seigneur, je magnifie ton nom. Car en ce jour... Car en ce jour, beaucoup, Seigneur, se sont levés le matin. Mais à cette heure-ci où nous parlons, ces personnes ne sont à la morgue. À cette heure-ci où nous parlons, ces personnes sont dans les hôpitaux. À cette heure-ci où nous parlons, ces personnes sont dans des conditions difficiles. Mais tu n'as pas permis cela pour ma maison. Tu n'as pas permis cela pour mon pays. Tu n'as pas permis cela pour ma ville. Tu n'as pas permis cela pour ma famille. C'est pour cela que je viens, Seigneur, avec gratitude, élever ton nom. Avec gratitude, te célébrer parce que tu es l'auteur de ma vie. Parce que tu es l'auteur de ma vie, parce que tu es l'auteur de ma grâce, parce que tu es l'auteur de ma faveur, parce que tu es l'auteur de tout ce que je suis. Oh, reçois la gloire et la louange au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, oh Dieu. Merci Seigneur parce que tu es bon. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur ce soir. Alors que tu es devant le trône de la grâce de Dieu, nous voulons encore demander pardon à notre Dieu. Oui, nous devons demander pardon tous les jours. La Bible déclare que, oh, si nous demandons pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Vous voyez ça? Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Oui, sa fidélité est encore là. La Bible déclare aussi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est pour cela que nous voulons encore nous repentir devant le trône de sa grâce afin de demander pardon. Peut-être que depuis le matin jusqu'à maintenant, tu as commis des péchés et que ce péché est en train de crier contre toi et que ce péché a ouvert une brèche contre ta vie et que ce péché a peut-être ouvert une brèche contre ta maison ou tes enfants. Tu vas confesser, tu vas demander pardon, tu vas demander pardon. Commence à demander pardon au Seigneur. Il est disposé, il est disponible à te pardonner. Oh, le pardon, bien-aimé, ramène la faveur dans ta vie. Le pardon de Dieu ramène la guérison dans ta vie. Le pardon de Dieu ramène la restauration dans ta vie. Le pardon de Dieu ramène la réconciliation dans ta vie. Commence à prier avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, je viens encore devant le trône de ta grâce. Je ne peux pas continuer la prière sans pour autant demander pardon. Je ne peux pas continuer la prière sans pour autant, Seigneur, me confesser, Seigneur, oh Dieu, de tout mal que j'ai fait. Il est écrit dans ta parole, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité de Dieu n'est point en nous. Oui, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que je tombe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je viens, Seigneur, te demander pardon. Pardonne-moi encore en ce soir tous mes péchés connus et inconnus, tout péché que Seigneur, oh Dieu, que j'ai commis en cette journée, en pensée, en parole, par mes actions, par mes actes, par Seigneur mes réactions, par mes émotions. Seigneur, oh Dieu de gloire, pardonne-moi Seigneur, pardonne tout péché que j'ai commis et qui a tristé le Saint-Esprit, tout péché que j'ai commis et qui a empêché mes anges, les anges de ma destinée de travailler. Pardonne-moi Seigneur, oh Dieu, tout péché que j'ai commis et qui a bloqué ma destinée, qui a bloqué les bonnes choses que je devais faire dans la journée. Je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne les péchés de mes enfants. Bien-aimé, demande pardon pour les péchés de tes enfants. Demande pardon pour les péchés de ta maison. Demande pardon pour les péchés de ta famille. Demande pardon pour les péchés de ton époux. Demande pardon pour les péchés de ton épouse. Et que la grâce de Dieu vous localise ce soir. Et que le pardon de Dieu ferme les portes qui ont été ouvertes à cause du péché. Et que le pardon de Dieu ferme les portes qui ont été ouvertes à cause du péché dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, demande pardon au Seigneur. Seigneur, merci pour le pardon que tu m'accordes. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon dans ma maison. Merci pour ton pardon dans ma vie. Merci pour ton pardon dans ma destinée. Merci pour ton pardon dans cette nuit. Merci pour ton pardon en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier avec moi. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Tu vas invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme efficace et redoutable. Le sang de Jésus est une arme efficace et redoutable. Qui fait fuir l'ennemi. Oh, qui fait fuir l'ennemi, qui détruit les œuvres du diable. C'est pour cela que tu vas encore invoquer le sang de Jésus ce soir. Dans ta maison, tu vas demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse inonder ta maison. Que le sang de Jésus puisse inonder ta vie.
vie ce soir. Que le sang de Jésus puisse inonder tout ce que tu possèdes dans ta maison. Que le sang de Jésus puisse te nettoyer ce soir. Que le sang de Jésus puisse te purifier, inonder ta maison, inonder tes possessions, inonder, laver, nettoyer. Que le sang de Jésus enlève les impuretés. Que le sang de Jésus enlève que tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta maison, tout ce qui vient des ténèbres, tout ce qui est invisible et qui contrôle ta vie dans ta maison, que cela soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus, car le sang de Jésus est une arme efficace et redoutable. Car le sang de Jésus est une arme contre l'ennemi. Car le sang de Jésus est une arme qui fait fuir le diable. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, Seigneur, ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, Seigneur, j'invoque encore ton sang. J'invoque encore ton sang. Que ton sang précieux puisse purifier ma vie maintenant. Que ton sang précieux puisse laver, nettoyer, oh, ma vie, esprit, âme et corps. Nettoyer la vie de mes enfants, esprit, âme et corps. Nettoyer la vie de mon époux, nettoyer la vie de la TPS, nettoyer, Seigneur. Que ton sang puisse me laver ce soir. Que ton sang puisse me nettoyer ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien-aimé, le sang de Jésus rappelle à Satan qu'il a été vaincu il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Le sang de Jésus rappelle à Satan qu'il a été vaincu, qu'il a été vaincu. C'est pour cela, appelle le sang de Jésus. Les sorciers ne supportent pas le sang de Jésus. La maladie ne supporte pas le sang de Jésus. Bien-aimé, appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps, sur ta vie, sur tes enfants. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus lave. Que le sang de Jésus nettoie. Que le sang de Jésus enlève les impuretés. Que le sang de Jésus enlève les souillures. S'il y a des choses qui ont été plantées dans ta vie, que le sang de Jésus détruise cela. Bien-aimé, si tu prends les médicaments et que les médicaments font effet dans ton corps, oh, le sang de Jésus est plus que le médicament. Le sang de Jésus est plus que la perfusion. Le sang de Jésus est plus que le vaccin. Le sang de Jésus est plus que le traitement qu'on t'a donné à l'hôpital. Invoque le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus qu'un médicament. Le sang de Jésus. Oh, que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te nettoie, que le sang de Jésus enlève les impuretés, que le sang de Jésus nettoie ta maison, que le sang de Jésus immerge ta maison, que le sang de Jésus inonde ta maison ce soir, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que ton sang inonde ma maison. Toutes les pièces de ma maison, oh, que les pièces de ma maison soient inondées par ton sang précieux, par ton sang précieux, et que tout ce qui n'est pas de toi dans ma maison, que ça soit les télécommandes des ténèbres, que ça soit les caméras des ténèbres, que ça soit les yeux des ténèbres, que ça soit les mains des ténèbres, que ça soit les fétiches, que ça soit les attaques, quel que soit leur nom, que ça soit la maladie, que cela soit détruit, que cela soit anéanti par ton sang précieux. Par ton sang précieux, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Par ton sang précieux, Seigneur, que ton sang nettoie, que ton sang inonde, que ton sang immerge, et que, Seigneur, tout corps étranger dans ma maison, que tout corps invisible, étranger dans ma maison, soit détruit, foudroyé par la puissance de ton sang précieux. Oui, car il est écrit dans ta parole, oh, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Seigneur, que ton sang puisse déraciner tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, que ton sang puisse déraciner ce soir tout ce que tu n'as pas planté dans ma maison, que ton sang puisse déraciner ce soir tout ce que tu n'as pas planté dans mes pensées, que ton sang puisse déraciner ce soir tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de mes enfants, que ton sang puisse déraciner ce soir tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de ma famille, que ton sang puisse déraciner ce soir tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, que ton sang déracine, que ton sang déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, que ton sang déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma maison, que ton sang déracine tout ce que tu n'as pas planté dans mon foyer, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que ton sang nettoie, que ton sang nettoie, que ton sang nettoie, que ton sang nettoie ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, la vie de mon époux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Alléluia. Merci pour la victoire. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas encore prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, de la même manière que tu as fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, alléluia, de la même manière que tu as fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pendant la nuit, oh Seigneur, fais-moi sortir de ma souffrance cette nuit. Fais-moi sortir de mes difficultés cette nuit. Fais sortir mes enfants de la maladie cette nuit. Bien-aimé, pendant la nuit, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Pendant la nuit, ils ont vécu une nuit de délivrance. Que en cette nuit, oh, je ressens cela fortement, qu'en cette nuit, que le Seigneur te fasse sortir de la souffrance, qu'il te fasse quitter la souffrance, qu'en cette nuit, que le Seigneur te fasse quitter la condamnation et les oppressions, qu'en cette nuit, que le Seigneur te fasse quitter la douleur, qu'en cette nuit, que le Seigneur te fasse quitter la maladie, qu'en cette nuit, si tu es toujours oppressé, que cette nuit soit la nuit où le Seigneur va te faire quitter la maladie. Bien aimé, tu dois avoir la foi qu'en cette nuit, que Dieu fasse quitter ton mariage. Alléluia. Que Dieu délivre ton mariage de la souffrance. Que Dieu délivre ton mariage du divorce. Que Dieu délivre ta vie. Que Dieu délivre ta maison. Qu'en cette nuit, que l'Éternel délivre ta vie. Qu'il te fasse sortir de la souffrance. Qu'il te fasse sortir des échecs. Qu'il te fasse sortir des douleurs. Que tu quittes la douleur. Que tu quittes les échecs. Que tu quittes la souffrance. Que ta vie puisse changer. Que ta vie puisse changer. Que tu puisses connaître un changement radical. En cette nuit, de la même manière que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pendant la nuit. Alléluia. Que cela soit ton partage. Est-ce que quelqu'un peut prier? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabba Santé. Rabba Shanda. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Élève la voix. Oh, que l'Éternel te fasse sortir de la douleur ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse sortir de la douleur ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'en cette nuit, l'Éternel te fasse sortir de la douleur. Que la mort quitte ta maison au nom de Jésus. Que la mort quitte ta vie au nom de Jésus. Que la mort quitte ta famille au nom de Jésus. Qu'en cette nuit, que l'Éternel t'accorde une victoire sans précédent. Que l'Éternel t'accorde une victoire puissante dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde cela. Que l'Éternel t'accorde cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te fasse sortir de l'esclavage. De la même manière qu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Qu'il te fasse sortir de l'esclavage. De l'esclavage. Qu'il te fasse sortir de la servitude. Qu'il te fasse sortir de la maladie. Oh, en cette nuit, Seigneur, fais-moi sortir de la maladie. En cette nuit, Seigneur, fais-moi sortir de la servitude au nom de Jésus. En cette nuit, Seigneur, fais-moi sortir des échecs. Oh, que je quitte les échecs au nom puissant de Jésus. En cette nuit, Seigneur, fais-moi sortir des douleurs. Oh, que tu puisses quitter les douleurs. Que l'Éternel te fasse sortir de la vie de douleur. Que l'Éternel te fasse quitter la vie de douleur. Que l'Éternel te fasse quitter la vie de la maladie. Que l'Éternel te fasse quitter la vie de la maladie. Tu n'as pas été créé pour être malade. Alléluia. Tu n'as pas été créé pour être malade. Tu as été créé pour jouir de la santé divine. Tu n'as pas été créé pour être dans les échecs chaque jour. Tu as été créé pour vivre la victoire et le succès. Tu as été créé pour vivre la réussite. Tu as été créé pour te réjouir. Tu as été créé pour prospérer. Tu as été créé pour avoir la bonne santé divine. Tu as été créé pour te réjouir. Alléluia. Oh, commence à dire que l'Éternel te fasse sortir. En cette nuit, que cette nuit soit ta nuit de délivrance. Pendant que tu seras en train de dormir, que l'Éternel, que la puissance du Saint-Esprit te fasse sortir des malédictions familiales. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse quitter maintenant les réclamations de famille. Te fasse sortir de la prison familiale. Au nom puissant de Jésus. Alors que l'ennemi travaille pendant la nuit. Mais toi, quand tu vas dormir, ta nuit est une nuit de délivrance. Ton sommeil est un sommeil de délivrance. Ton sommeil est un sommeil de délivrance. Et je prie ce soir que Dieu ouvre tes yeux, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux afin que tu vois la personne qui est à la base de ta souffrance, l'esprit qui est à la base de tes douleurs, la personne qui se cache derrière cet animal que tu vois dans la nuit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh, déclare cela, au nom de Jésus, que cette nuit, ça soit la nuit de ta délivrance, que cette nuit soit la nuit, alléluia, où le Seigneur va te faire sortir de la souffrance, de la servitude, tout ce qui te retenait dans la servitude, que cela tombe au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier avec moi, et tu vas dire, oh mon Père, mon Père, oh mon Père, que cette nuit me reconnaisse comme quelqu'un de béni. Bien-aimé, que cette nuit te reconnaisse. Si chez toi ce n'est pas la nuit, tu peux dire que ce jour me reconnaisse comme quelqu'un de béni. Que ce jour me reconnaisse comme quelqu'un de béni. Que le jour puisse te reconnaître. Oh bien-aimé, la nuit a des yeux, le jour aussi a des yeux. La terre a des oreilles et des yeux. Oh, dis que cette nuit me reconnaisse comme quelqu'un de béni. Si la nuit te reconnaît comme quelqu'un de béni, alors toutes les manigances des sorciers ne vont pas marcher. Alléluia. Toutes les manigances, toutes les machinations, tous les complots des ténèbres ne vont pas marcher parce que la nuit va refuser de te faire du mal parce que la nuit te reconnaît comme quelqu'un de béni. Seigneur, mon Père, en cette nuit, alors que je me tiens dans ta présence, alors que je suis dans ta présence, Seigneur, que cette nuit me reconnaisse comme quelqu'un de béni, au nom puissant de Jésus. Que cette nuit me reconnaisse comme quelqu'un de délivré. Que cette nuit me reconnaisse comme quelqu'un de guéri, au nom de Jésus. Que cette nuit me reconnaisse comme béni. Bien-aimé, commence à prier, demande à ton Dieu que cette nuit puisse te reconnaître comme quelqu'un de béni. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que cette nuit te reconnaît comme quelqu'un de béni. Cette nuit te reconnaît comme quelqu'un de béni. Je déclare ce soir, la lune te reconnaît comme quelqu'un de béni. La terre te reconnaît comme quelqu'un de béni. Alléluia. Oh, ton sommeil même te reconnaît comme quelqu'un de béni. Tes rêves te reconnaissent comme quelqu'un de béni. Ton songe te reconnaît comme quelqu'un de béni. Cette nuit, c'est la nuit de ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Cette nuit, c'est la nuit de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Cette nuit, c'est la nuit de ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette nuit me reconnaisse comme quelqu'un de béni. Au nom de Jésus. Mon Père, que cette nuit reconnaisse mes enfants, mon époux, la TPS, comme Seigneur, quelqu'un de béni. Au nom puissant de Jésus. Que la nuit puisse inscrire mon nom comme quelqu'un de béni. Que la nuit puisse inscrire mon nom comme quelqu'un de guéri. Que la nuit puisse inscrire mon nom comme quelqu'un, oh, qui voit les miracles de Dieu. Que cette nuit puisse inscrire mon nom comme quelqu'un de béni. Que la nuit me reconnaisse comme quelqu'un de béni. Bien-aimé, je déclare ce soir, alléluia, oh, que quand les ténèbres vont comploter contre toi, que la nuit puisse dire non. Que la nuit puisse dire non. Que le sommeil puisse dire non. Que le rêve puisse dire non. Que tes rêves ne collaborent pas avec l'ennemi. Alléluia. Que ton sommeil ne collabore pas avec l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Que cette nuit te reconnaisse comme quelqu'un de béni dans le nom puissant de Jésus. Que cette nuit reconnaisse ta vie comme quelqu'un de béni dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cela est ton partage. Cela est ta réalité. Cela est ta vérité. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, cela est ton partage, cela est ton partage, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cette nuit te reconnaisse comme quelqu'un de béni, au nom puissant de Jésus, que cette nuit te reconnaisse comme quelqu'un de guéri, comme quelqu'un de miraculeux, au nom puissant de Jésus, que cette nuit te reconnaisse comme quelqu'un, alléluia, de puissant, au nom puissant de Jésus. Que la nuit puisse te reconnaître comme quelqu'un de puissant. Que la nuit puisse te reconnaître comme quelqu'un de pouvoir. Oui, tu as le pouvoir du Saint-Esprit. Tu as le pouvoir du nom de Jésus. Alléluia. Que la nuit te reconnaisse comme quelqu'un de béni. Alléluia. Dis-le avec la foi. Que cette nuit te reconnaisse comme quelqu'un de béni. Dans le nom puissant de Jésus. C'est ta réalité. C'est ta réalité. C'est ta réalité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette nuit te reconnaît comme quelqu'un de béni, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Alléluia, tu vas encore prier le Seigneur. Et tu vas dire avec moi, oh mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, alors que je me tiens à la porte de minuit, de la même manière que l'identité de Jacob a été changée pendant la nuit. Seigneur, change mon identité cette nuit. Change mon identité. Jacob, bien-aimé, dans la nuit, il était Jacob, mais le matin, il était devenu Israël. Que ton identité puisse changer. Seigneur, change mon identité. Fais-moi rentrer dans ma destinée. Change mon identité. Change mon identité.
en cette nuit, que la malédiction quitte et que la bénédiction remplace. En cette nuit, Seigneur, oh, que les échecs quittent et que le succès remplace. En cette nuit, Seigneur, oh Dieu, que la stagnation quitte et que la vitesse surnaturelle remplace. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, commence à demander que ton identité soit changée. De la même manière que l'identité de Jacob avait été changée pendant la nuit, que ton identité change. Alléluia. Que le Père change ton identité. Mon Père, change mon identité en cette nuit. Change mon identité. Fais-moi embrasser l'identité de ma destinée. Fais-moi embrasser l'identité de ma destinée. Emmène-moi dans le nom de ma destinée. Emmène-moi sur la terre de ma destinée. Car Jacob a lutté avec l'ange. Il était Jacob, mais au petit matin, il était devenu Israël. Au matin, il était devenu Israël. Au matin, son nom avait été changé. Seigneur, qu'en cette nuit, mon nom puisse changer. Qu'en cette nuit, mon identité puisse changer. Je refuse d'être pécheur. Mon identité n'est plus pécheur. Qu'en cette nuit, mon identité change. Et que mon nom devienne sanctification. Et que mon nom devienne consécration. Oh Seigneur, qu'en cette nuit, les échecs me quittent. Les échecs soient ôtés de ma vie. Et que mon nom devienne faveur et succès. Au nom puissant de Jésus, change mon identité. Change mon identité. Efface, Seigneur, par la gomme du Saint-Esprit, efface le nom de condamnation qui a été mis sur moi. Efface le nom de condamnation qui a été mis sur moi. Au nom puissant de Jésus, que le nom de condamnation qui a été mis sur ta vie soit effacé par la gomme du Saint-Esprit. Soit effacé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le nom de condamnation qui a été mis sur toi, qui a été mis sur ton front, qui a été mis sur tes mains, qui a été mis sur tes pieds, soit effacé. J'efface cela ce soir au nom de Jésus. Je viens effacer avec le sang de Jésus tout nom de condamnation, toute écriture de condamnation qu'on a mis sur ton front, qu'on a mis sur tes pieds, qu'on a mis sur tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Quand tu vas quelque part et qu'on voit ton visage, les gens ne veulent pas te voir parce qu'il y a une condamnation sur ton visage. Je détruis ce nom qui est sur ton front. Je détruis cette condamnation et je déclare la faveur. Je plante la faveur, oh, sur ton front, sur ton visage. Je déclare la faveur. Je déclare la réussite au nom de Jésus. Tout ce que tu touches avec tes mains, quand ça pourrit, quand ça ne marche pas, quand ça se casse, quand ça se brise, quand ça n'avance pas, quand ça bloque, je déclare ce soir que tout nom de condamnation qui a été inscrit sur tes mains, oh, j'efface cela avec le sang de Jésus. Je déclare que j'efface cela ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je plonge tes mains, alléluia, je plonge tes mains dans l'eau de la faveur du nom de Jésus. Je plonge tes mains dans l'eau de la faveur du nom de Jésus. Je plonge tes pieds dans l'eau de la faveur du nom de Jésus. Je déclare qu'en cette nuit, il y a un changement d'identité. Changement d'identité. Changement d'identité. Ton identité change. De la même manière que Dieu avait changé l'identité de Jacob pendant la nuit, que ton identité change et que tu puisses rentrer dans la possession de ton nom prophétique et que tu puisses rentrer en possession de ton nom prophétique dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Élève la voix, prie. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu te trouves, ne te fatigue pas. Élève la voix et prie. Tu as même peut-être plus de force que moi. Prie, prie, prie. Élève ta voix. Et dis qu'en cette nuit, en cette nuit, que ton identité change. Le Dieu qui a changé le nom de Jacob pendant la nuit est le même qui va changer ton identité ce soir. Il est le même qui va changer ton identité cette nuit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que quelqu'un prie. Bien-aimé, prie. Élève la voix. Avec la foi. Élève la voix. Déclare que tu reçois cela. Déclare que ton identité change. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur ce soir. Tu vas encore dire avec moi, ô Seigneur, tu vas dire plutôt très cher Saint-Esprit, en cette nuit, que ton vent souffle, afin de ramener à moi toutes les pièces détachées de ma vie. Bien-aimé, que le Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit, que ton vent souffle ce soir afin de ramener à moi toutes les pièces détachées de ma vie.
Bien-aimé, je m'explique pour que tu puisses comprendre. Ézéchiel a vu. Ézéchiel a vu plutôt une vallée des ossements desséchés. Et Dieu lui a dit de prophétiser. Fils de l'homme, prophétise que l'esprit souffle de quatre vents afin que ces eaux puissent vivre. Bien-aimé, il y avait le tibia de l'autre côté. Il y avait la main de l'autre côté. C'était des squelettes dispersés. Oh, peut-être que ta vie est en pièces détachées. Peut-être que tes mains sont quelque part. Tes véritables mains sont quelque part. Tes pieds sont quelque part. Ton mariage est quelque part. Le diable a dispersé cela. Mais la Bible dit, quand Ézéchiel a appelé l'esprit, et la Bible dit que les os ont commencé à se réunir. C'est-à-dire le squelette, la personne a commencé à devenir une personne normale. C'est toutes les pièces qui étaient détachées commençaient à se rejoindre les uns des autres. Il y eut un mouvement et les os ont commencé à bouger. Les os ont commencé à bouger et c'était devenu une armée nombreuse. Bien-aimé, prie ce soir et dis, Saint-Esprit, en cette nuit, souffle dans ma vie. Souffle et ramène à moi toutes les pièces détachées. Rassemble toutes les pièces détachées de ma vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que toutes les pièces détachées de ta vie soient rassemblées ce soir. Que toutes les pièces détachées de ta vie soient rassemblées par la puissance du vent du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ézéchiel a dit, Esprit souffle des quatre vents sur ses eaux. Esprit souffle des quatre vents sur ses eaux. Que l'Esprit puisse souffler des quatre vents sur les pièces détachées de ta vie. Sur les pièces détachées de ta vie. Sur les pièces détachées. Là où la main était quelque part. Là où ton pied était quelque part. Là où ta matrice était cachée quelque part. Qu'il y ait un rassemblement maintenant. Qu'il y ait un rassemblement maintenant des pièces détachées de ta vie dans le nom de Jésus. Oh, qu'il y ait un mouvement, que le vent souffle. Saint-Esprit, qu'en cette nuit, tu puisses souffler le vent qui va ramener toutes les pièces détachées de ma vie au nom de Jésus. Le vent qui va ramener toutes les pièces détachées de ma vie au nom puissant de Jésus. Oh, que quelqu'un puisse prier. Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle de quatre vents et rassemble toutes les pièces détachées de ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rassemble. Bien-aimé, c'était des squelettes, c'était des os qui étaient dispersés. Mais les os se sont rassemblés et c'est devenu une armée nombreuse. C'est-à-dire le pied avait rejoint l'autre pied. La tête avait rejoint le bon tronc. Les mains avaient rejoint le tronc et c'était devenu une armée nombreuse. C'était des personnes, mais ils étaient en pièces détachées. Ils étaient séchés. Ils étaient, le pied était de l'autre côté. La main était de l'autre côté. Oh, que les pièces détachées de ta vie soient rassemblées ce soir par la puissance du Saint-Esprit, par le vent du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que cela te soit accordé. Que cela te soit accordé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde, alléluia, que l'Éternel rassemble toutes les pièces détachées de ta vie dans le nom de Jésus et que cela soit rassemblé là où ta matrice était cachée, là où tes finances étaient cachées quelque part, là où ton bras était caché quelque part, là où l'ennemi a fait des échanges où tu n'as pas tes pieds, tu es lourd dans les pieds, tu as la lourdeur, ce ne sont pas tes pieds, que tes pieds reviennent au nom de Jésus, que les pièces détachées de ta vie reviennent au nom puissant de Jésus, qu'ils soient rassemblés et que l'Éternel te donne la victoire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Alléluia. Oh, la Bible dit que Dieu avait nourri les enfants d'Israël dans le désert. Dieu leur avait donné la manne. Dieu leur avait donné les cailles. Il est le Dieu nourrisseur. Il est le Dieu qui nourrit ses enfants. Il est le Dieu qui te donne ton pain quotidien. Et le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Oh, notre pain quotidien, notre pain du jour. Oh, tu vas prier avec moi, tu vas dire, oh Seigneur, en cette nuit, pendant que je serai en train de dormir, donne-moi, Seigneur, le pain de ma vie. Donne-moi, Seigneur, la portion de ma nuit. Donne-moi, Seigneur, le pain que je dois manger, la nourriture de ma nuit. Alléluia. Qu'il te donne la nourriture en cette nuit, qu'il te donne la nourriture de ta nuit. Je me répète peut-être, c'est peut-être une tautologie, mais la nourriture de ma nuit, c'est-à-dire la bénédiction de ma nuit, la portion de ma nuit,
que je puisse recevoir cela. Bien-aimé, que cela ne puisse pas rater, que ça tombe sur toi, que la nourriture de ta nuit tombe sur toi, que la bénédiction de ta nuit tombe sur toi, dans le nom de Jésus, que ça ne tombe pas à côté, que ça tombe dans ta maison, que ça tombe dans ta chambre, que ça tombe sur toi, dans le nom de Jésus, que tu manges à la bénédiction de ta nuit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à prier, au nom de Jésus, demande au Seigneur, Seigneur, en cette nuit, je te prie, donne-moi, Seigneur, ma nourriture. Donne-moi, Seigneur, ma portion de bénédiction. Donne-moi, Seigneur, ma portion de nourriture surnaturelle. Donne-moi, Seigneur, ce que je dois avoir comme nourriture. Donne-moi, Seigneur, mon pain de cette nuit, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi ma nourriture, car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Bien-aimé, la sorcellerie passe par la nourriture pour donner... pour faire des transferts maléfiques. Les ténèbres passent par la nourriture et le Seigneur aussi passe par la nourriture pour donner la vie. Il a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, il aura la vie éternelle, il ne mourra pas. Bien-aimé, pendant que tu seras en train de dormir, si le monde des ténèbres vient faire manger les gens la nuit, bien-aimé, toi tu reçois la nourriture surnaturelle, tu reçois la nourriture céleste, tu reçois la nourriture de Dieu, cette nourriture qui enlève la maladie dans ton corps maintenant, cette nourriture qui enlève les malédictions dans ton corps, cette nourriture qui enlève la douleur dans ton corps, dans le nom de Jésus. Cette nourriture qui te donne l'accélération divine dans ta vie. Cette nourriture qui change l'odeur de ta vie, de ton corps, qui enlève les mauvaises odeurs sur ton corps. Cette nourriture qui ramène le bon parfum, dans le nom puissant de Jésus. Cette nourriture qui te donne la force de combattre la nuit. Cette nourriture qui te donne la force. Que tu reçoives cela au nom de Jésus. Que tu reçoives cela au nom de Jésus. La Bible déclare que Élie était fatigué. Il dormait. L'ange est venu le réveiller pour lui dire « mange ». Pour lui dire « mange ». Quand Élie a mangé, la Bible déclare qu'il reçut assez de force pour marcher 40 jours et 40 nuits. La nourriture que l'ange lui avait donnée et l'eau qu'il avait bu lui avait donné la force pour marcher 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, la nourriture du ciel donne la vie. La nourriture céleste donne la force. La nourriture céleste enlève les maladies. La nourriture céleste enlève les malédictions. La nourriture céleste détruit la mort. La nourriture céleste détruit tout ce qui est des ténèbres. Oh, que tu puisses manger cette nourriture au nom puissant de Jésus. Reçois cette nourriture. Reçois cette nourriture qui te donne la vitesse surnaturelle. Reçois cette nourriture qui te donne la vitesse surnaturelle. Qui te donne la vitesse surnaturelle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, reçois cette nourriture. Seigneur, je reçois cette nourriture ce soir. La nourriture que tu donnes la nuit afin de me donner la force le jour. Alléluia. La nourriture que tu me donnes la nuit afin de me donner la force le jour. La force de vaincre les Goliaths de ma vie. La force de marcher 40 jours et 40 nuits. La force de détruire les œuvres des ténèbres. La nourriture que tu me donnes la nuit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Et tu vas dire avec moi, ô Seigneur, en cette nuit, que ton sang précieux détruise tout autel maléfique qui réclame ma vie. Que ton sang précieux détruise tout autel maléfique, tout autel des ténèbres, tout autel de ma famille qui réclame ma vie dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, prie. Que cette nuit, bien-aimé, les autels crient pendant la nuit. Que tout autel maléfique, tout autel des ténèbres, tout autel diabolique, qui réclame ta vie, bien-aimé, soit détruit cette nuit au nom de Jésus. Mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, alors que je suis dans ta présence cette nuit, que tout autel des ténèbres, tout autel qui a été dressé contre moi, qui réclame ma vie, qui réclame ma destinée, qui réclame ma santé, ou qui réclame quoi que ce soit dans ma vie, soit détruit par ton feu au nom de Jésus. Que cet autel soit foudroyé. Que cet autel soit détruit, que ces autels soient anéantis, brisés par la puissance de ton feu, au nom de Jésus. Bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit détruise maintenant tout autel des ténèbres qui crie contre toi chaque nuit. Que tout autel des ténèbres qui crie ton nom chaque nuit, qui réclame ton nom chaque nuit, qui réclame le nom de tes enfants, qui réclame ta paix, qui réclame ta santé, qui réclame ton mariage, soit foudroyé par le feu, au nom puissant de Jésus. En cette nuit, que cet autel soit détruit. Qu'en cette nuit, cet autel soit brûlé de la racine. Alléluia. De la racine jusque là où ça s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Que cet autel soit brûlé jusqu'aux cendres. Au nom puissant de Jésus. Que ces autels soient brûlés. Que ces autels soient brûlés. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, tu vas encore prier, bien-aimé. Nous sommes toujours en train de prier pour notre nuit. Tu vas dire avec moi, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton feu détruise tout tribunal des ténèbres qui condamne ma vie au nom de Jésus. Tout tribunal de la nuit qui condamne ma vie, que cela soit détruit par ton feu au nom de Jésus. Saint-Esprit, détruit par ton feu tout tribunal de la nuit tout tribunal de la nuit qui combat ma vie au nom de Jésus. Tout tribunal de la nuit qui condamne ma vie. Bien-aimé, que tout tribunal de la nuit qui condamne ta vie soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Oh, leurs tribunaux plutôt ne sont pas des tribunaux du jour. Leur tribunal, c'est un tribunal de la nuit. Alors, il doit être détruit ce soir. Que tout tribunal de la nuit qui condamne ta vie, que tout tribunal de la nuit qui dresse des sentences contre ta vie, soit brûlé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Commence à brûler ce tribunal. Commence à brûler ce tribunal. Que les avocats soient brûlés. Les avocats des ténèbres, les greffes des ténèbres, les juges des ténèbres, qu'ils soient brûlés maintenant. Que leur assemblée soit brûlée. Que ce tribunal soit brûlé. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit sa localisation, même si c'est au Congo, même si c'est au Cameroun, même si c'est en Côte d'Ivoire, même si c'est aux Antilles, même si c'est en Guyane, que ce tribunal brûle maintenant. Même si c'est dans la mer, que ce tribunal brûle maintenant. Au nom puissant de Jésus, que tout tribunal des ténèbres qui réclame ta vie, qui condamne ta vie, qui fait des sentences contre ta santé, soit brûlé ce soir. Que le feu tombe sur ce tribunal. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit sous la mer, qu'il soit dans les cimetières, qu'il soit dans la forêt, que ce tribunal soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Que ce tribunal soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Que ce tribunal soit brûlé. Bien-aimé, tu as plus de puissance, tu as plus de pouvoir dans le nom de Jésus, de détruire ce tribunal qui a déclaré des sentences contre toi, ce tribunal qui a déclaré une condamnation contre toi, ce tribunal qui a déclaré, qui a condamné ta santé, qui a condamné tes finances, qui a dit que tu ne toucheras pas ton argent, qui a dit que tu ne seras pas en bonne santé, qui a dit que tu seras paralysé, que ce tribunal brûle maintenant par le feu du Saint-Esprit, brûle ce tribunal, déclare que ce tribunal brûle, que tout tribunal qui condamne ma vie soit brûlé ce soir au nom de Jésus, que les greffiers soient brûlés, que les avocats soient brûlés, que les juges soient brûlé, que tout ce qui constitue cette assemblée soit brûlé, au nom puissant de Jésus, que leur sentence soit brûlée par le feu du Saint-Esprit, je viens brûler cela, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute sentence des ténèbres contre mes enfants, contre ma vie, prenne feu ce soir, au nom puissant de Jésus, que toute sentence des ténèbres contre ma famille prenne feu ce soir, au nom puissant de Jésus, que toute sentence des ténèbres contre mon mariage prenne feu ce soir, je détruis, alléluia, ce tribunal, bien aimé, détruis ce tribunal de tes ténèbres qui a déclaré ton divorce, qui a déclaré ton divorce dans le monde des ténèbres, qu'ils soient foudroyés et que leur sentence soit foudroyée, brûlée par le feu au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit brûlé par le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le tribunal des ténèbres qui condamne ta vie soit brûlé par le feu au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la sentence soit brûlée par le feu, que ce qui est en train de condamner ta vie soit brûlé par le feu dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, tu vas élargir cette prière, brûle le tribunal des ténèbres, brûle l'hôpital des ténèbres, tu es toujours malade, on te garde dans un hôpital des ténèbres, que cet hôpital soit brûlé, là où tu es toujours malade, il y a un hôpital des ténèbres qui t'a gardé quelque part, qui a gardé ton pied, qui a gardé ta main, qui a gardé ton doigt, qui a gardé ta tête, et tu as toujours mal, que cet hôpital brûle au nom de Jésus, que cette chambre brûle au nom de Jésus, que là où il y a l'hôpital des ténèbres, qui garde un membre de ton corps, un membre de ton corps soit brûlé au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit consumé par le feu. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit consumé par le feu. Au nom puissant de Jésus. Tout hôpital des ténèbres qui retient une partie de mon corps, qui retient une partie de ma vie, qui garde ma santé, qui garde mon corps pour me rendre malade, qu'il soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que leur perfusion, que leur piqûre, que leur médicament, que leur sentence soit brûlée maintenant par le feu au nom de Jésus. Soit brûlée maintenant par le feu au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, détruis aussi les entreprises des ténèbres. Quand tu dors, tu te réveilles, on dit que tu as travaillé. Ceux qui te font travailler dans les ténèbres, que leur entreprise, leurs usines brûlent au nom de Jésus. Tout travail de ténèbres, que cela brûle au nom de Jésus. Tout travail de la nuit, là où on t'impose des travaux de la nuit, dans le sommeil, tu travailles. Dans le sommeil, tu fais le ménage quelque part. Dans le sommeil, tu fais la vaisselle. Dans le sommeil, tu sers toujours les autres. Dans le sommeil, tu es toujours en train de faire quelque chose et tu es épuisé le matin. Que cela soit détruit, foudroyé par le feu au nom de Jésus.
tout et tout, tout travail de ténèbres, toute servitude de la nuit qui épuise tes forces, qui avale tes forces comme un aspirateur, qu'il soit détruit, qu'il soit foudroyé par le feu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, et tu vas dire avec moi, ô Seigneur Jésus, en cette nuit, impose-moi les mains et bénis-moi. Seigneur, impose-moi les mains. Je suis disposé, disponible. Touche-moi, Seigneur. Impose-moi les mains et bénis ma vie. Impose-moi les mains et bénis ma vie. Bénis ma maison. Bénis ma famille. Bénis ma destinée. Bénis mes enfants. Seigneur, je désire ta bénédiction. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Si la femme à la perte de sang t'a touché, sa vie a changé. À combien plus forte raison si toi tu me touches. Seigneur, touche-moi. Impose tes mains sur moi. Impose-moi les mains, Seigneur, et bénis-moi. Impose-moi les mains, Seigneur, et guéris-moi. En cette nuit, impose-moi les mains, Seigneur, et change ma vie. Commence à prier. Demande à ce que le Seigneur puisse imposer ses mains sur toi. Demande à ce que le Seigneur puisse imposer ses mains sur ta vie. Qu'il te touche cette nuit. Que sa main te touche. Que sa main te touche. Que sa main te touche. Que sa main te change. Que sa main te transforme. Que sa main change ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Que sa main te touche ce soir. Que sa main te touche. Qu'il t'impose les mains. Seigneur, impose-moi les mains. Impose-moi les mains. Impose-moi les mains, Seigneur. Impose-moi les mains. Impose tes mains sur ma tête. Impose tes mains sur mes mains. Impose tes mains sur mes pieds. Impose tes mains, Seigneur, afin que, Seigneur, je puisse jouir, oh, de ta bénédiction. Bénis-moi cette nuit. Bénis-moi cette nuit. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta guérison. Merci pour ta portion de grâce. Merci pour ta portion de faveur. Merci pour ta portion de vie. Merci pour ta portion de restauration. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné ce soir. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Oh, bien-aimé, dis merci au Seigneur pour l'exaucement. Dis merci au Seigneur pour l'exaucement. Il t'a exaucé ce soir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et les anges sont en train de travailler ce soir. Les anges du Seigneur sont en train de faire ministère là où tu te trouves. Même si là où tu es, il n'y a pas l'électricité. Tu as juste le portable, tu as juste la lumière du portable et peut-être une lampe artificielle. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que la lumière des anges est dans ta maison. La lumière du Saint-Esprit est dans ta maison. La lumière du Saint-Esprit est dans ta maison. Oh, peut-être que là où tu te trouves, tu es seul. J'aimerais te dire que l'armée des anges de l'Éternel sont déjà dans ta maison. L'armée des anges de l'Éternel sont avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et tu as la victoire ce soir dans le nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour la victoire. Seigneur, merci pour la victoire que tu m'accordes cette nuit. Merci pour la victoire que tu me donnes. Merci pour l'exaucement. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour la santé, pour le miracle. Merci, Seigneur, pour ta puissance qui se manifeste puissamment dans ma vie et en cette nuit, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous sommes très nombreux. Est-ce qu'on peut donner une offrande au Seigneur en aimant la vidéo? Aime la vidéo. Si tu veux donner une véritable offrande, comme tu veux, quand je dis véritable, donc une offrande selon ton cœur, donne. Mais sinon, je te demande juste d'aimer la vidéo. Peut-être que c'est compliqué pour toi d'aimer la vidéo. C'est très simple. Clique juste sur le pouce et tu vas voir que ça sera très, très simple. Tu rentres tes coordonnées et cela va se faire facilement. Bien-aimés, c'est très important. Quand tu aimes la vidéo, non pas seulement pour faire des j'aime et des numéros, mais tout simplement, spirituellement, tu te joins à cette prière. Tu laisses un signe. Tu laisses un signe. Tu pourras dire, bien aimé, si tu as une situation, j'avais prié et j'avais mis un sceau, j'avais mis un cachet. Cette prière, je l'ai faite. Alors l'ennemi ne peut pas venir, l'ennemi ne peut pas l'emporter sur moi parce que l'Éternel a écouté ma prière. Bien aimé, les choses qu'on pense être moindres, peut-être que tu vois que c'est moindre, mais même les colonnes, même les piliers de la maison, même la chaise sur laquelle tu es assise peut témoigner que tu as fait cette prière. Ton portable pourra témoigner que tu as fait cette prière. Bien-aimé, tout ce qui est autour de toi, tout objet que nous voyons peut témoigner dans le monde spirituel. Oh bien-aimé, que tu aimes la vidéo, que le Seigneur te bénisse alors que tu es en train de donner une offrande au Seigneur, alors que tu es en train de donner une offrande à notre Dieu, une offrande de tout ton cœur, que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te voie.
Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur change ta vie. Que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur change ton identité. Que le Seigneur ramène du renouveau dans ta vie. Que le Seigneur, oh, fasse fuir tes adversaires devant toi. Que le Seigneur fasse de tes adversaires ton marchepied. Que l'Éternel change ta santé. Que l'Éternel te donne le miracle. Que l'Éternel ouvre les portes qui étaient fermées devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père de gloire, merci. Merci pour ce temps de prière. Merci pour la force que tu m'as accordée. Merci pour la force que tu as accordée à tes enfants, à chacun de nous. Merci pour la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Merci pour les anges. Père, merci pour ta présence. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci d'avoir écouté nos prières. Et merci pour la victoire que tu nous as accordée en cette nuit. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir encore garder, préserver tes enfants en cette nuit. Seigneur, que cette nuit soit une nuit de victoire, de grâce et de faveur. Alors que nous allons nous séparer, garde-nous, Seigneur, fidèles à toi, afin que nous puissions être là, Seigneur, le matin, afin de te célébrer, pour t'adorer, pour t'élever, pour nous joindre encore aux anges, afin de célébrer ton nom. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, et nous disons trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia, il nous a fait du bien. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont donné leurs offrandes ce soir. Que le Seigneur bénisse ceux qui aiment la vidéo. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont partagé. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant de quitter, je nous rappelle notre programme. Nous avons 70 jours de jeûne et prière. On se prépare à partir du 1er octobre jusqu'au 9 décembre. Et je vous donnerai tous les détails d'ici la semaine prochaine, comment cela va se passer. N'ayez pas peur, ça sera très facile. Alléluia. 70 jours de jeûne et prière, on se prépare déjà. Et le 10 décembre, bien-aimés, nous serons donc à Noisy-le-Sec pour la grande clôture, je pourrais dire, le rassemblement TPS. Ce sera une campagne de prière. On va prier, on va prier pour vous, on va demander la guérison au Seigneur. Vous avez besoin de miracles, on va prier parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Alors venez, vous êtes malade, venez, vous avez des problèmes, venez. Même si vous n'avez pas de problème, surtout, venez aussi pour célébrer notre Dieu. Nous allons finir vraiment dans la célébration, dans la prière et le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. Alléluia. Alors préparez déjà, préparez-vous, réservez la date, soyez là. Même si vous êtes à l'étranger, en Belgique, vous pouvez venir le 10 décembre. Préparez-vous, prenez déjà vos billets, préparez-vous maintenant. Prenez les billets maintenant, c'est moins cher. Il y a des hôtels autour aussi, à côté. C'est pas juste à côté de la salle, il y a des hôtels. Donc, essayez de vous arranger pour être là. La TPS, le rassemblement TPS est très, très important. On n'a pas pu le faire l'année dernière à cause du COVID. Alors là, nous avons l'occasion. Soyez là. Famille TPS de la Belgique, famille TPS de la Suisse, partout où vous serez, c'est notre rassemblement, c'est notre jour, le 10 décembre 2022. Vous avez l'adresse qui est là. Notez l'adresse et soyez là et le Seigneur va nous faire du bien, énormément du bien. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas, tout à l'heure nous aurons dévancé l'aurore et le Seigneur nous fera encore du bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans le shalom de Dieu et dans la bénédiction totale et grandiose de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt, ciao, ciao. Soyez bénis. Yeah.
de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Nous te louons. Tu es le Dieu de mon cœur. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique.
une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.